équipe avait envie de jouer au foot. Ça se voyait, ils avaient envie de développer un beau jeu quand même. Après, il y avait quelques fautes malheureusement qui ont pu casser le jeu. Quelques comportements en fin de match difficiles. Mais bon, le score est là, c'est normal qu'il y ait des comportements comme ça. Mais dans l'ensemble, de beaux jeux avec de beaux buts. C'était plutôt un match technique ou rugueux celui-là, par rapport aux autres que vous avez pu arbitrer ? Plus rugueux quand même, c'était un match plus rugueux. C'est ouais, ça allait au charbon un peu, mais ils avaient envie de développer du jeu, c'est ça qui est intéressant quand même. Mais les tacles étaient là, et ça fait partie du foot de toute façon, c'est pour ça que je suis là, j'ai envie de dire. Et juste un dernier mot sur l'équipe de Sciences Po, est-ce qu'elle peut aller loin ? Je pense, oui, ils se prennent malheureusement un pénalty dès le début de match qui peut les casser. Un but évitable à la fin, je pense, mais ils peuvent aller loin. Il n'y a pas à dire, ils ont développé du beau jeu, des belles actions, donc j'espère qu'ils vont aller loin, et c'est tout ce que je leur souhaite, mais ils peuvent, oui. Troisième match après deux victoires, la première défaite pour Sciences Po. Premier compte rendu sur le match. C'est une défaite assez dure à avaler. On perd 3-2 en étant mené deux fois au score, on égalise deux fois. Sachant qu'on prend un pénalty dès le début du match, comme vient de le dire l'arbitre. Mais bon, après on est en constante progression. On avait gagné les deux premiers matchs. Là c'était vraiment le gros test parce que c'est une équipe qui est très très forte. On avait pris 6-0 contre eux l'année dernière. Donc voilà, là on fait quasiment jeu égal avec eux, ils ont trois occasions, ils marquent trois buts, nous on a deux occasions, on marque deux buts. Voilà, c'était vraiment équilibré et c'est pour ça que c'est assez dur à encaisser de perdre sur un petit score comme ça. Voilà, ce qui nous manque c'est une profondeur de banc peut-être. Ça serait bien que tous les joueurs donnent à fond parce que il y a des joueurs qui quand ils rentrent, c'est vrai qu'ils font pas tous les efforts qu'on espère. Voilà. Ouais, venez nombreux, il y avait déjà pas mal de supporters aujourd'hui, donc ça fait plaisir et ça nous motive, évidemment. If you miss the train, I'm on...